Starting Block HD, la rue à sa radio. Yo, bienvenue dans l'émission Starting Block dans la radio RVVS 96.2. Aujourd'hui, on est avec Nescro. Mais ouais. Avant tout, salam, salam à Adams. Bien comment? Bien okay. Quoi? Oh, ça va nickel. Yeah, Nescro. Ouais, mon gars. Dis-moi tout. Pour commencer, salam alaikum, les gars. Paix sur vous, les gars. Merci, merci. Alors, dis-nous tout, Nescro. Présente-toi déjà pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, je me présente, Nescro, artiste hip-hop. J'ai commencé à rapper à l'âge de 12-13 ans. J'étais au collège. J'ai commencé à rapper au collège. J'avais un collègue à moi, Tesh Ross, avec qui on a commencé à écrire des petits textes, etc. Et au fil du temps, on a un peu fait grandir l'équipe. Il y a Sless Bastos qui est venu en plus. Vous le connaissez, sur la ville, etc. Il y avait Aldram, c'est un autre poteau qui arrêtait de rapper. Et Miss Go, on était 5. Avec Boops aussi, un poteau, il a quitté. On a créé le groupe 5 sur 5. T'avais pas Alab aussi? Alab, non mais Alab, lui, c'était un truc à part. Parce qu'Alab, à la base, lui, n'était pas rappeur. Ouais. Tu vois. Et vu que c'était un poteau d'enfance, il était souvent avec nous. Donc à côté de ça, le mec, tu vois, il a commencé à écrire des textes. Et il était bon. Non, il était bon, Alab. Talentueux de ouf. Ouais, il était bon. J'aimais bien ce qu'il faisait. Ouais, ça a pas duré. Non, parce que, comment dire, il a eu ses convictions, tu vois, personnelles qu'on fait qu'il a dû. Il a préféré arrêter. Et ouais, non, à côté de ça, t'avais Alab. Mais il était pas dans le groupe, tu vois. On était souvent ensemble, mais il était pas dans le groupe. On a monté notre truc 5 sur 5. On a commencé à faire des concerts sur la ville, des sons. Ça a commencé à tourner un peu. Et là, je te parle d'un bail, c'est début 2000. Hein. Début 2000. On était petits. Hein. Par la suite, on a monté un collectif qui s'appelait C4 Clan. Ça a réuni plusieurs rappeurs. 7-8, 9-2, 9-4. Et c'est là un peu que la machine a commencé un peu, tu vois, à booster. Parce qu'il y avait des gens de partout, tu vois. Ouais, ça a exporté en fait 5 sur 5. Dans tous les départements, ça tournait. Après, je vais pas faire le mec, etc. Tu vois, mais il y a même des coins dans le sud aussi, ça tournait un peu, tu vois. Ça faisait plaisir. On a fait des concerts là-bas aussi, c'était intéressant. Et puis voilà quoi. C'est 4 clans, c'est fini, c'est carrément fini. Ça va se reformer ça un jour. Bah, ces 4 clans, c'est terminé. C'est terminé depuis longtemps. Ces 4 clans, ça n'a pas duré très longtemps. Et 5-5 alors? Question par question, je te réponds. Il est trop pressé. Non, ces 4 clans, regarde, on a commencé à monter 5 sur 5 début 2000. Ces 4 clans, ça a commencé en 2007. Ouais, ça a commencé. Ouais, c'est tard, ces 4 clans. Ça a commencé en 2007. On avait déjà un peu notre nom sur le secteur, etc. Ces 4 clans, ça a commencé en 2007. On a monté notre truc, etc. Et on a fait deux projets. On a fait deux projets. Ça a duré 2 ans. Et au bout des 2 ans, tu sais, c'est difficile. On était plus de 14. 14 personnes. 14 personnes sur ces 4 clans. 14 personnes. Bah, tu comptes, on était une bonne moitié à 5 sur 5. On était déjà 5, tu vois. 5 avec d'autres artistes, etc. Au fil du temps, les idées convergeaient pas toutes vers le même objectif. Après, tu vois, chacun avait ses raisons et au final, le truc s'est un peu essoufflé. En 2009, ça s'est arrêté. Et 5 sur 5, tu vois, vu qu'on avait mis en stand-by notre truc à nous, on était beaucoup sur ces 4. Ça veut dire que 5 sur 5, c'est un peu essoufflé. Tu vois, les gens nous reconnaissaient plus en tant que ces 4, même quand on était en mode que 2 dans la rue, nous croisaient. Ah, ces 4 clans, ouais, c'était pas vrai, 5 sur 5. C'est vrai, c'est vrai. Au final, tu vois, on s'est plus arrêté sur le dé de ces 4 clans. Et étant 5 sur 5, on a repris le truc sous le nom ces 4 clans. Pour que la machine continue, tu vois, d'avancer. Et par la suite, le temps a eu raison de nous, vu que t'as certains membres qui ont quitté le truc, et d'autres qui ont continué, mais en carrière solo, au final. En fait, c'est tous en solo, quoi. Ces 4 clans est revenu, on va dire, vers 2010-12. Entre 2010-2012, on a commencé à bosser des trucs, etc., tu vois. Parce qu'après, tu vois, t'as le rap, et t'as la vie personnelle, ouais, tu vois. C'est l'époque du son Ego. Voilà. Il y avait Ego. Voilà. Si, Ego, en fait, c'est ces 4 clans, mais là-bas, c'est 5 sur 5. Ouais, ça. Mais on avait récupéré le blaze de ces 4 clans. Et on a fait notre projet, etc. On a balancé quelques clips. Et après, voilà, quoi. Comme je dis, tu vois, la vie a continué. T'as des besoins, gauche à droite, etc. Tu vois, donc, t'en as qui ont arrêté. Moi, j'ai continué
comme certains autres, tu vois. Et ça s'est arrêté, on va dire, je sais même plus, je pourrais même plus dire si c'est 2013 ou un truc comme ça, tu vois. Et depuis, voilà quoi. Maintenant, c'est plus CK, c'est plus 5 sur 5, c'est Nescro. Mais est-ce que ça va se reformer, ces CK, même sur un seul son? Non, c'est plus. Moi, j'aimerais bien le voir, moi. La vérité, est-ce qu'il y a vraiment un engouement autour de ça? Est-ce qu'il y a vraiment du monde? Parce mais faut le créer, cet engouement-là. Faut le créer, mais moi, je pense qu'il faut le créer en faisant que chaque artiste aille chercher à gauche, à droite, à grappiller un peu du monde, à se faire un nom, tu vois. Ça mettrait plus une force au truc, tu vois. Parce que revenir là, on a vraiment rien fait de spécial, tu vois. Or que si chaque MC, de son côté, arrive à trouver une petite notoriété qui fait qu'il y a une grosse demande et que les gens sont à la demande d'une formation, d'un regroupement, tu vois. Voilà, qu'on va pas cracher dessus, tu vois. Mais après, il faut dire la vérité, tu vois. Quand tu regardes bien tous les artistes qui recréent des groupes, qui sont partis en solo et qui recréent des groupes, c'est il y a un intérêt financier derrière ou je sais pas quoi. Nous, si ces quatre se recréent, ce sera par passion du groupe et par passion de la musique, tu vois. C'est pas un cas, c'est pas une cause perdue, mais pour l'heure actuelle, chacun est en train d'exploiter son propre potentiel, on se cherche encore musicalement, tu vois, on essaie de créer des choses. Et c'est pas à l'ordre du jour. Mais n'empêche qu'on se croise de temps en temps, etc., tu vois. Là, pas plus tard qu'hier, j'ai croisé Tosh, tu vois, on se croise de temps en temps. La semaine dernière, il s'est mis à produire des clips. Ouais, des clipmakers maintenant. Ouais, on s'est croisé la semaine dernière, tu vois, on discute, on est en bon terme. Sauf que musicalement, chacun est en train de créer son propre truc, donc... c'est pas à l'ordre du jour. Mais je crache pas dessus. On est une équipe avant tout, tu vois. Mmh. Ok. Il y a eu 5. Pourra. Hein? Advienne que pourra. C'est sûr. Ok, il y a eu le 5-5, il y a eu ces 4 clans. Et après, il y a eu une signature. Ouais, c'est récent. Voilà, ou bon, oui. Ouais, c'est récent. Entre ces 4 clans et la signature, pour parler de moi, tu vois. Même avant ça, même, avant cette signature-là, il y a eu. Il y a eu Ino qui s'occupait de toi. Qui... Ouais, bah Ino s'occupait pas seulement de moi. Parce que il s'occupait de ces 4 clans aussi. Ouais, ces 4 clans 2.0. Ah, d'accord. À la base, ouais. sur 5, il était déjà derrière nous, tu vois. C'était un peu l'attaché de presse, directeur artistique, manager, tout ce qui était. Parce que tu vois, on était en l'air. Quand tu regardes l'artiste, il est jamais à fond dans ses trucs, tu vois. Il faut toujours quelqu'un derrière pour prendre les rendez-vous. Un rappeur reste rappeur. Moi, comme j'ai dit, moi, je suis dans mon rôle, je suis bête et méchant. Tu m'appelles, je suis en studio, je gratte mes textes, je fais du mieux que je peux et je pose. Mais tout ce qui est relationnel, etc., rendez-vous, tout ça, là, je peux pas tout faire. Donc, Ino, Coco, lui, il était derrière nous, tu vois. Il gérait tout ça, là-bas, ses connexions. Et c'est lui qui gérait tout ça, tu vois. Après, je sais pas où on voulait en venir là, on parlait plus de. Oui, après il y a eu Ino, après il y a eu la signature Kézit. Voilà. Et en dehors de ça, tu vois, dès que le groupe s'est dissous, à côté de ça, bon, chacun t'a fait de son côté. Et j'ai commencé à bosser, tu vois, vu que j'avais la dalle à cette époque-là. Tu vois. Pourquoi tu l'as plus? On va répondre petit à petit. T'es trop pressé. Laisse-moi t'en terminer. Sans problème. Non, le truc c'est que. Après la fin de ces 4, ça s'est un peu essoufflé, tu vois, chacun faisait sa vie de son côté, t'es plus là pour remplir ton frigo, etc., que pour la passion du son, tu vois. C'est comme le foot, ce que je voulais dire, tu vois, c'est... T'en as, ils sont à fond dans le foot, etc., ils sont petits, ils sont en club, etc., ils veulent percer, mais dès que t'es là, tu vois, on t'a pas repéré, t'es pas au PSG, t'es pas au Real, etc., faut remplir le frigo. Nous aussi, c'est pareil, tu vois. Il n'y avait pas d'engouement qui a fait que, tu vois, il y a une signature directement qu'on a percée, etc. Donc, faut manger. Tu laisses un peu le rap de côté, mais comme c'est une passion, tu vois. J'avais arrêté un moment, presque un an. Et après, on a discuté avec Coco, etc. On s'est dit, pourquoi pas faire un truc. T'avais fait les freestyles, c'est les freestyles parabéles. C'est ça. Ouais. Et suite à ça, on a décidé de balancer quelques sons, dont Parabellum 1, 2. Balotelli. Ouais, c'est ça. Balotelli, c'est tout un ça. Parabellum aussi, Balotelli aussi, ouais. À part. Ça fait partie des Parabellum. Mmh. Et suite à ça, tu vois, on a eu la connexion avec Kézit. On a discuté, le projet était intéressant, donc il y a eu signature. Donc t'as faim ou pas? J'ai la dalle. Non, j'ai la dalle de son. Mais comment dire, c'est pas simple. Comme je t'ai dit, tu vois, faut remplir le frigo d'abord. Mais le rap, je peux l'arrêter un petit moment. Je pense que j'y reviendrai toujours parce que c'est une passion. Tu vois, à un moment, je pensais vraiment arrêter.
avant la signature, avant les connexions avec Coco, etc. Là, je pense arrêter, tu vois, parce que t'as la vie, comme je te dis, qui est là. Mais quand c'est une passion, tu es obligé d'y revenir à un moment, tu vois. Et la signature avec KZ, ça a allié la chose. Ça, ouais, c'est ton bonbon. Le plaisir, ouais, et tu vois. Je veux dire, le travail. Voilà, le taf. Et voilà. Et ça simplifie les choses, on va pas se mentir. Hein. Le fait de signer, ça simplifie beaucoup de choses. Parce que quand t'es rappeur indépendant, tu payes toi-même tes enregistrements, tu payes tes mix, tes mastering. Si tu veux sortir un CD, tu vas payer tes CD. Tu vas payer tout ça, tu vas dire, si tu fais de la promo, tu vas payer tes affiches, tu passes des publicités dans des sites ou des trucs en radio, faut payer, tu vois. Et KZ s'occupe de tout ce qui est partie financière, ils englobent un peu tout, tu vois. Et c'est un poids, l'argent, dans ce truc-là. Et t'as un peu plus de liberté financière dans le sens où tu sais que t'as un poids qui t'allège, donc tu vas te focaliser à fond sur ton rap musique, et faire du mieux que tu peux, tu vois. Et à côté, t'as tout le management, à côté, tu vois, c'est... Les labels, c'est des machines de guerre, on va dire, en général, tu vois. Nous, on est des petits éléments. Et quand t'as des gens qui sont payés pour te mettre en avant, etc., t'as l'esprit plus libre. Et tu parlais de management, ça se passe bien, alors ? Ça va, on a une bonne équipe chez KZ. T'as une bonne équipe là-bas, t'as du monde qui connaît son taf. Et ça va, c'est intéressant. Ouais, en tout cas, ils répondent à tes attentes. Bah, premièrement, la première attente, c'était quoi ? C'était déjà de sortir un projet et de donner plus d'ampleur à mon nom et à ma visibilité. On a signé un premier projet. Avec le projet, il y a eu deux clips de fait qui ont apporté une visibilité en plus. Il y a un travail qui a été fait derrière au niveau d'une page. Bon, après une page, tout le monde peut créer une page, mais... Il y a un travail derrière, tu vois, qu'on fait que ça donnait plus d'ampleur au truc, tu vois. Je suis plus vu qu'à la base. Mais là, on est encore dans le début, tu vois. Et comme on sait, c'est un travail de longue haleine. Et là, il y a encore du taf à fournir pour les prochains projets, etc. Et je leur fais confiance pour l'instant, au niveau de ça. Ouais, du coup, tu as sorti un projet avec eux, alors. Ouais. Et comment le public l'a perçu, ce projet-là ? J'ai sorti mon premier projet, hors catégorie. C'est une vitrine, dans le sens où jusqu'aujourd'hui j'étais visible sur des projets qui m'appartenaient pas et pas en moi-même, tu vois, c'était pas moi. Tous les sons que t'entendais, c'était soit au niveau 5 sur 5 ou C4 Clan. Là, c'est mon premier projet solo où tu vas pouvoir... parce que c'est ça qui est important aussi, tu vois. Quand t'es en solo, tu vois, t'as un son que tu diriges toi-même, tu vois. Quand t'es en groupe, c'est chacun son couplet. Là, t'as un son, tu le construis de A à Z. Tu choisis l'instrumental, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « ouais, j'aime pas », etc. Toutes les instrus, je les ai choisis. Tous les textes, bah, ils sortent du crâne de chaque MC, tu vois. Mais bon, j'ai pu vraiment exploiter le truc, tu vois, à 100%. Et il a été perçu. J'ai eu des bons retours. Après, les gens, ils s'attendaient peut-être pas à ça. C'est pour ça que je l'appelle hors catégorie, tu vois. Parce que de base, vous qui me connaissez un peu, on va dire, j'étais pas trop dans ce registre-là au niveau son, tu vois. Mais ça apporte un truc de plus à ma palette. Et les gens, là, c'est bien perçu. Ça m'a étonné même, tu vois. Je suis personne pour l'instant. Le non, projet, faut pas se minimiser non plus. Non, c'est pas... Je suis pas... Je tourne pas en radio, tu vois, je passe pas en télé. Là, t'es en radio, en tout cas. Ouais, merci pour vous, hein. Merci. C'est un bon début. Mais je parle de ça, tu vois, en général, tu vois. Non, les grosses radios nationales, en fait, ouais, ça tu vois, tourne pas assez... Et comment dire, mon projet, bah, ce qui m'a étonné, le projet, il est sorti, je crois que c'est le lendemain, il y a mon téléphone qui bip, notification. Il y a un mec qui m'envoie un message sur Facebook pour me dire, ouais, ton son avec des fautes d'orthographe, ton son lourd. Le mec, il a commandé mon CD, il est en Ukraine ou en Islande. J'ai un câble. Je dis, wesh, ça je veux dire. C'est la musique, force. Ça va, ouais. C'est la musique. Dire. C'est ça que je veux dire. Et ça fait plaisir parce que je me suis dit, ouais, à la base, tu penses que, tu vois, c'est l'entourage proche. Que ouais, je vois ce que tu veux dire. Tous les mecs qui percent, ça commence par un petit cocon, c'est l'entourage proche. Après, c'est sa ville, après, c'est son département. Et après, ça se propage dans toute la France. Le premier truc que j'ai reçu, bon, hormis les personnes qui avaient écouté, tu vois, hein, le premier mec qui m'a envoyé un message pour dire que je l'ai acheté, c'est un mec qui est même pas français. Il parle même pas français. Je crois même qu'il a utilisé le correcteur. C'est ce que je veux dire. Ça fait plaisir. C'est lourd. Et j'ai des bons retours dans l'ensemble. Après, t'as des gens qui s'attendaient pas à ça.
quoique j'ai pas fait un truc hors du commun, tu vois. Mais les gens qui me connaissaient à la base s'attendaient pas spécialement à ce que je fasse du son de cette manière-là, tu vois. Après, c'est comme tout, hein. Des fois, t'écoutes un projet la première fois, tu kiffes pas. Ouais, après, tu écoutes une deuxième fois, troisième. C'est la deuxième fois, faut rentrer dans le truc, en fait. Faut rentrer dans le délire. Faut rentrer dans le délire. Mais après, est-ce que les gens, ils ont ce temps-là maintenant? Tu vois, délire de. Mais... Est-ce que les gens, peut-être, ils jugent pas trop vite la musique? Ils écoutent une fois, ah, si j'accroche pas, c'est-à-dire, je veux pas me pencher sur. Moi, je sais que je suis comme ça. Ça, oui, c'est. Non, mais ça peut se comprendre. Moi, j'ai du mal à. Ça peut se comprendre. Parce moi, que, c'est regarde, tout de suite, tu vois. C'est... Ça peut se comprendre parce que la musique, ça va tellement vite. T'es un artiste, tu sors pas d'actualité pendant 3-4 mois, t'oublies vite. On regarde au state. On n'est pas au state. On regarde au state. Les mecs, ils te balancent des 6 mixtapes à l'année. C'est un truc de ouf. Tous les deux mois, t'as une mixtape qui sort. Ils font des remixes. Les gens sont là, ils font des connexions. T'as le dire. Ça dort jamais. T'as le dire. Or qu'en France, le mec, il va écouter un G-Pro une fois, il va pas perdre son temps, il va passer à autre chose. Après, ça dépend, tu vois. Si t'as tapé fort sur un truc et que le mec l'a adhéré du premier coup, c'est bien, tu vois. Après, je sais pas, on gère partout, tu vois. Après, peut-être qu'une personne qui s'arrête pas dessus, c'est pas ça, quand même. Des fois, faut pas forcer, tu vois. Après, je fais de mon mieux pour que ma musique passe bien, etc. Tu vois, après, t'as des gens que ça va intéresser, d'autres non. Sinon, je serais déjà disque de diamant. Ah, vite, tu vois. En tout cas, tu parlais des proches. Ouais. Quand tu parles des proches, tu parles des proches, les mecs des Mureaux. En particulier, ouais, plus ça. Parce que, comme on dit, hein, avant d'être connu partout, faut commencer chez toi. C'est sûr. Non, mais t'es connu chez nous. Voilà. T'es même connu dans le département. Ouais. Tu vois, t'es pas connu que... Tu peux pas chercher à être meilleur rappeur de France je sais pas quoi si ça commence pas par chez toi, tu c'est vois. Sûr, et ouais. quand la finalité des choses, parce que t'as beaucoup de rappeurs qui sont là, tout, ouais, là, le but c'est pas. Et c'est un mec que je connais très bien qui m'a dit ça à l'époque, tu vois, ça m'a marqué. J'avais quel âge? J'avais 17 ans, tu commences, tu vois. Et il avait dit, ouais, le plus important c'est pas d'être le meilleur rappeur de ton étage, du quartier, c'est d'être le meilleur rappeur partout. Et t'en as, ils se contentent de ce qu'ils font dans leur ville ou dans leur tiercar, tu vois, ils vont pas chercher plus. Et moi je suis là aujourd'hui, j'ai pas percé. Mais on a fait les choses quand même, on a beaucoup bougé, tu vois. On avait la dalle de micro, on allait partout, des concerts, des radios, des trucs comme ça, tu vois, on avait la dalle, etc. Après, le truc, c'est que t'as des villes qui vont plus croire au potentiel de leurs artistes que d'autres. Au Mureaux, ce qui est dommage, c'est que les gens, tu les sens intéressés par le truc, tu vois, mais ça se ressent pas. Ouais. C'est vrai. Dès que je les croise dans la ville, ouais, j'ai écouté ton projet bien, etc. Là, là, là. Mais je me dis, mais comment ça se fait? Le mec là kiffe mon G-Pro, l'autre là kiffe mon G-Pro. Comment ça se fait que ça s'arrête là, tu vois? Rien qu'au niveau des partages des clips. Wow, t'as tout dit, hein. C'est d'abord des gens de chez toi qui vont partager tes clips. Ça va arriver dans les oreilles d'autres personnes qui vont propager le truc, tu vois. Et ce qui manque au Mureaux, c'est la passion du... Au Mureaux, il n'y a pas Internet, frère. Il y a Internet, mais les gens... Au Mureaux, on est en 2G, frère. Il y a Internet. Partage. Mais... Je crois ici on partage on bénave le partage. Quoi. Je jure. Je crois il est payant, je crois dans non, la vie. Non mais c'est. Non c'est pas. Non en fait tout le monde sait ce qu'on. Je sais pas comment tu. Les tout le monde regarde. Savent. Les gens ils tu savent. Vois, tout le monde regarde, tu vois. Tout le monde sait. Mais je sais pas, on n'a pas la culture on dirait de. Voilà. On n'a pas la culture. J'en parlais avec Mao. Hein, t'as des secteurs ils vivent hip hop. Nous les Mureaux ils vivent pas hip hop. Mais avant on le vivait ce avant, truc-là. Avant la génération l'a changé. Maintenant les gens sont flemmards de partage, ils sont flemmards de. Mais d'où vient tout ça là? Parce que moi je me rappelle en tout cas à l'époque, on était à fond dedans. Au COSEC, il y avait plein de concerts. Bien sûr. Et on blindait les salles. Aujourd'hui, il y a un concert au COSEC. Il n'y a plus personne. Parce que les gens se désintéressent tout simplement. Mais pourquoi? D'où ça vient ça? Franchement, mon gars, si j'avais la réponse là, les salles seraient pleines. Mon projet se vendrait bien. La tête de WAP. J'ai pas la réponse. Réponse, frangin. Ouais, la tête de WAP. J'aurais la réponse là, franchement, je peux pas te dire. Mais est-ce que tu crois pas que ça vient peut-être de vous, les rappeurs qui ramenaient pas le truc? Bah, le mouvement, parce que. Je suis en constante remise en question. C'est pour ça que je te dis que tu vois, il y a des gens qui ont écouté mon projet qui n'étaient pas prêts à m'entendre sur. Tu vois, pour te dire, tu vois, je suis en constante remise en question et je suis en constante recherche d'innovation, même si tu vois, presque tout a été fait, mais il faut chercher à innover un peu, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je suis en constante recherche. Le jour où j'ai trouvé la recette, les gars, je vous invite à mon Planète Rap. Où on va créer le Planète Rap ici, tu vois, je veux dire. On va faire monter le truc, tu vois, je veux dire. Ouais, les gars, je sais pas, j'ai pas la réponse. Si je l'avais, franchement, après, on peut. Moi, à mon humble niveau, tu vois, les gens se sont désintéressés de la chose. Après, je sais pas si c'est nous. Parce que nous, on a toujours été là pour les gens, tu vois. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, mon téléphone ne sonnait jamais. Dès qu'il y avait un concert, il bipait. Fais-moi rentrer. Pourtant, le concert, c'était pas des milliers de cents, c'était 10 euros. Tu me donnais de la force, mais 10 euros. Les gens, ils payaient pas 10 euros.
Je les faisais rentrer par 15. T'as ce que je veux dire? Non, mais nous, on est une ville, c'est spécial. Après, c'est, voilà. C'est spécial, c'est spécial. On est dans une mentalité spéciale. C'est pas parce que le mec, il va dire, je bénave pas, je paye pas la place, que genre. Je donne pas. Nous, on est trop dans le truc, non, faut que tu m'invites, moi, je viens avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Les gars, même peut-être que dans la vie, ce qui manque, c'est quoi? Peut-être c'est 5-5? Parce que demain, là, moi, par exemple, tu refais 5-5, tu fais un son 5-5. Moi, je crois que les gens vont. Même pas donc, que dans la ville, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les gens vont plus en parler. Ouais, après ça dépend parce que. Ouais, c'est ça. Moi je pense c'est ça. Les gens, je crois, ils ont tellement eu l'habitude de vous voir enchaîner les morceaux ensemble. Ouais. Peut-être c'est ça qui manque. Tu vois, peut-être que les gens ils vont pas envie d'écouter que lui ou j'ai envie d'écouter que lui. C'est un ensemble, c'est un truc. Nous c'est comme ça, on vous a connu. Non, mais c'est l'ensemble vous, du truc. Vous aussi que pendant enfin, vers la fin de 5-5, il y avait même plus le même engouement parce qu'on a, on a sorti des trucs. Hein. On a fait des sons. Je vois ce que tu veux dire. On a fait des sons, on a fait une étape qui est sortie. Les gens, même Ino, il a fait Cash Money. Cash Money, ouais. T'as ce que je veux dire? C'est le premier mec des Mureaux à notre niveau à nous, sans compter Enars, qui a monté son truc. Un petit neigeux, etc., qui a monté son truc de A à Z. Mon gars, il y a des CD qui sont encore dans les cartons. J'en ai chez moi encore. Ouais. J'ai des cartons chez moi. Moi, la chose qui me promenait, quand j'étais au quartier, donne-moi un CD. Les gars, c'est 10 euros, ça coûte rien. Non, la vérité, moi, mais ça après... m'a déçu un peu. Ça m'a déçu un peu. Tu moi je dirais que aussi faut pas forcer le truc parce que moi je me rappelle par exemple Pouf Pouf qui est incarcéré aujourd'hui tu vois. Salam à lui. Libéré Pouf Pouf. Lui moi et j'étais en train de bosser, il m'a arrêté, il s'est arrêté au milieu de la route. Hein, il m'a dit tiens, donne-moi de la force, tiens mon CD, donne-moi 10 euros. Il m'a vendu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je dis ça. Ouais. Tu vois, je l'ai acheté. J'ai écouté le truc. Normal. C'est même pas les 10 euros. Tu veux dire, c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est tu normal. Vois, tiens, la force, c'est mon frère. Soutien. Voilà. En plus, c'est quoi, est-ce qu'il a fait la même démarche sur Cash Money? Moi, je dis la vérité. Hein. Sur la ville, c'est même pas pour faire genre ou je sais pas quoi. Les gens, ils savent qui on est. Oui, ça, c'est sûr. On est assez suivi pour que toute la population jeune qui écoute du rap sache ce qui se passe. Dès qu'il a préparé son truc. Dès qu'on l'a partagé sur internet et dès qu'on est dans la ville, les gens ils créaient des cash money en rigolant des cash money ou cash money, cash money, tout ça, nan, nan. Mais le CD ils demandaient pas. C'est ça aussi la chose. Moi je marchais dans la ville, le CD on ne demandait pas. Même t'allais pas sur Facebook ou ça tournait au quartier. Hein. Moi pendant un moment j'avais même pas de caisse. Je marchais dehors avec mes 3-4 CD dans ma poche. Ouais, les gens, il y a le CD qui est sorti, etc. Ah ouais, non, frère, non, non. Ouais, c'est 10 euros. Non, y'a ben, voilà, frère, tout ça. Les gens, ils éludent un peu le truc, tu vois. Ils veulent pas, ils ont du mal. Oh, les bons gars. Mon slogan pendant un moment, c'était le CD, il a 10 euros. Pour les fumeurs de shit, c'est une barrette. Ouais, la barrette, tu vas la fumer au bout d'une soirée ou le lendemain, il n'y en a plus. Le CD, tu l'as à vie. Si tu veux, tu mets dans ton PC, MP3, tu l'écoutes à vie. 10 balles, c'est rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est que dalle. C'est une barrette. C'était un fumeur, c'est une barrette. La tête de homme. Ah bon, c'est pas compliqué les murs. Après, moi, je leur en veux pas. Parce que, on sait pas, tu vois, des fois, il y en a, je sais pas. Hein, peut-être, je sais pas. Mais, je suis pas là pour être rancunier envers les gens, tu vois. Sinon, je ferais plus de rap, sinon. Si je serais vraiment rancunier, je ferais plus de rap. Je calculerais plus les gens, tu vois. Non, c'est. Ok. Non, faut que juste quoi, je te jure, dans cette ville. Parce qu'on regarde, maintenant, on est plus beaucoup comme avant. Avant, on était beaucoup dans la ville, c'est tu ça. Vois. Maintenant, on est moins nombreux. Les gens, ils apprennent, je te jure. À soutenir les projets des gens. Ouais. C'est important. C'est ça, c'est une important. Mentalité en fait. Parce que, je te mens pas, la vérité, moi ce qui m'agace, la vérité, c'est des fois je suis dans la ville, les gens me croisent et on m'a croisé l'année dernière, là, 2017. C'est quand le prochain projet? Dis mon gars, je suis à la Fnac. Je suis à la Fnac. Non, mais toi, t'es dur. Non, mais la vérité, parce que ouais, regarde, la ce vérité, que tu veux dire. Les gens me croisent dans la ville. Ouais. Ah, ça fait longtemps, tout ça. En plus, des gens que j'ai pas croisé depuis longtemps parce que je suis plutôt sur la ville. Le prochain G-Pro, tout ça, j'ai dit mais j'en ai un là, t'as iTunes, t'as... Tout, ouais, il est là, tu peux... Il est partout, quoi. Tu peux pas dire, tu peux pas l'écouter, tout le monde a un téléphone qui fait 4G, tout le monde a un téléphone, même si tu l'achètes pas, tout le monde a Spotify, tout le monde a Deezer, tout le monde a tout. Les gens me demandent le G-Pro, j'ai dit mon gars là, j'ai sorti un projet qui est à la Fnac, mon premier projet qui est mis en vente, le premier projet duquel je suis fier, parce que c'est un truc qui est concret, tu vois je veux dire. Les gens me demandent un G-Pro, j'ai dit mais les gens ils suivent pas en fait, ils suivent pas. C'est ça le problème, ils suivent app. Après, je vais pas leur en vouloir, ils ont leur truc en tête, je suis pas leur star, tu vois, je veux dire, mais bon, après, ne viens pas me demander des choses si tu t'es pas intéressé. C'est que de base, tu vas pas chercher l'actualité, tu vois. Moi, je vais venir te demander quelque chose si de base, votre projet là, de radio, etc., là,
dans tous les cas, on a Snapchat, on a Facebook, on a Instagram. Je serais tombé dessus, tu vois. Je serais pas venu te voir pour demander si la radio, s'il y a pas un projet qui va sortir, tu vois, je te demanderais plutôt comment ça va, tu vois. Ouais, je vois ce que tu... Quels sont les invités, c'est quoi la playlist, tu veux dire. Que dire, ouais, c'est quoi, il y a pas un projet qui arrive, tu vois. Les gens, ils savaient très bien. En plus, j'ai fait un truc tout bête, hein. Comme pour te dire que ça commande chez toi, dès que j'ai balancé le projet, on va dire deux semaines avant de balancer mon EP, j'ai fait une annonce sur Facebook en demandant à toutes les personnes qui soutenaient de mettre leurs photos sur leur profil pendant une semaine. Parce que c'était la veille de. C'était une semaine avant la sortie du projet. Je l'ai fait. Tu l'as fait. J'allais venir à toi. Moi, j'étais pas au courant. Venir à toi, tu l'as fait. Moi, j'étais pas au courant. Non, mais la vérité, non, hein, j'étais dans mon fil d'actualité. Et je voyais ma tête à peu près partout. Ça me faisait plaisir, tu vois. Et je me suis dit, ouais, si vraiment tout le monde aurait poussé ce truc à fond, là, ça aurait été pas mal, tu vois. Ça a été fait, des fois ça n'a pas été fait, etc. Après, bon, les gens ont leur raison, tu vois. Peut-être que je représente pas assez pour eux, etc. Tu vois, je suis pas leur daron. Et voilà, quoi. Ah, ok, de toute façon, assez parlé des murs, j'ai envie de dire. Ouais, parce que là, ça fait au bureau un quart d'heure qu'on est dessus. Ouais, ça oui. Les gens commencent à m'en vouloir. On va parler de Starting Block. On va croiser au quartier, ils vont me dire, ouais, t'es bizarre. Mais non, on habite tous dans la même ville. Ah, y a pas de problème. Non, on va parler de Starting Block. Vas-y. Comment t'as pris ta semaine? Comment s'est passée ta semaine? Ma semaine? Sur Starting Block. Moi, je veux dire la vérité, hein. Sans langue de bois. Tu m'as contacté. Où j'ai reçu d'Adama aussi la photo là de... Ouais, ton profil. De profil. Ouais. Qui me proposait la semaine, etc. Et j'étais assez ravi, tu vois. Parce que j'ai vu beaucoup de mecs défiler. J'ai dit, ouais, je sais quand moi, tout ça. Ah non, il parle du teaser. Et j'ai vu ça, du teaser. C'est le teaser, les petits teasers vidéo. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, je voyais que ça tournait beaucoup ici, tu vois. Après, j'étais pas pressé. Et je la prends bien, je suis ravi que vous fassiez un peu de promo d'un mec de la ville, etc. Tu vois. Même l'interview, ça fait plaisir, tu vois, de sentir qu'il y a un truc qui se crée, que les gens, vous êtes là derrière les artistes, etc. Tu vois. Je suis ravi, ça fait plaisir. Oui, mais bon, en tout cas, là, tu te retrouves ici parce que t'as eu peu de points. Ouais, j'ai peu de points, bah, c'est pour ça que je suis là, pour booster un peu la chose. Non, après, c'est ça le truc. Hey, je suis pas beaucoup un mec d'internet, etc. Je suis pas hyper présent sur le net, c'est ça. Un de mes défauts sur lesquels je suis en train de travailler, tu vois, je veux dire. Et c'est vrai que le travail commence par soi-même. Et là, je suis en train de me relancer à vouloir booster ma page, booster un peu ce qui se fait, ma musique, etc., tu vois, je veux dire. Mais tu vois, regarde, par exemple, tu sais, c'est marrant ce qu'il disait juste avant. Mais nous, on peut le constater même en faisant un projet comme ça. Que même toi, qui es dans le truc, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu vas demander à un mec. Non, de... attention, nuance. C'est problème. C'est une nuance. Il y a une nuance, C'est que là, tu me fais comprendre que moi-même, je m'investis pas à fond dedans. Non, c'est pas ça. Dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. C'est attention. Que... C'est dur aujourd'hui de capter l'esprit de quelqu'un dans quelque chose. Ouais, parce que le mec, quand le truc il tourne, même quand tu reçois, peut-être tu le reçois à un moment où t'as pensé à autre chose. Tu dis, attends, vas-y, je vais revenir dessus tout à l'heure. Ouais. T'as laissé passer les jours, t'as oublié. Mais même si tout le monde est comme ça. Non, mais tu vois, après là, c'est dur de capter les gens. Vous avez mis ma photo, etc. La photo, je l'ai relayée, tu vois, je l'ai partagée, etc. Là. Après, moi, je compte plus sur le concret de l'interview et etc. Tu vois, pour que ça tombe mieux, tu vois, parce que mettre une photo c'est bien, mais du contenu c'est mieux. Les gens vont pouvoir voir, vont pouvoir écouter, tu vois, un peu trancher sur mon avis, etc. Tu vois. Et là, la vidéo, celle-là va tourner, les gars. Elle va tourner. Bon, on l'espère en tout cas. Donc, t'as été un peu sur le site et tout, t'as navigué un peu. Ouais, franchement, bien. Vous avez fait du bon taf. Hein. Et j'ai vu tous les artistes, enfin une partie d'artistes qui sont dessus. J'écoutais un peu ce qu'ils faisaient niveau son, etc. Il y a de la qualité. Vous avez été bon sur le choix des artistes. Je parle pas de moi, hein. Je parle de tous les mecs. Vous avez été bon. Parce qu'il y a du bon. Il y a des mecs de cette suite que je connaissais pas. Bah, dis-nous, qui t'as apprécié par exemple? Il y a l'autre là. Je connais pas son blase. Un mec a des rastas là. Skyly. Ouais, Skyly. Le freestyle dont tu me parlais là. Voilà. Ouais, ça met du 9-5. Ouais. J'ai bien aimé. Sur le secteur, il y a qui? Il y a D-White, qui est pas mal. Après, il y a des mecs qui viennent de passer là, juste avant moi, là, des petits dachers, parce que j'ai entendu. Joe BLS. C'est bon. Il y a du talent dans le secteur, hein. Franchement, c'est bon. Après, il y a d'autres trucs, tu vois, j'ai pas retenu les blases. Mais il y a un peu des sons aussi à sonorité un peu latine, tout ça là. Ouais, c'est Almas. Almas. Peut-être. C'est bien, tu vois, il y a un peu de tout. Et j'ai kiffé un peu le délire, tu vois, parce que je me suis dit, ouais, il y a du potentiel. Et c'est bien qu'une radio comme vous fasse la chose, parce qu'il y a du talent. Donc, t'as écouté un peu les dojos alors?
Ouais, j'écoutais. Après, je me suis pas arrêté dessus, tu vois. La vérité. J'écoutais. T'as écouté, t'as survolé. J'ai survolé. J'ai tu écouté. Te vois faire un feat avec l'un d'eux là ? Avec qui ça va bien se faire ? Moi, franchement, la vérité, là, il y a un artiste que je suis, que je connais en même temps, tu vois, parce qu'on se connaît depuis un moment. Et ouais. Lui, j'aimerais bien faire une connexion avec lui, c'est Jizz. Jizz. Parce que le mec, il est talentueux de ouf, tu vois, Jizz, je veux dire. C'est lourd. Et une connexion avec lui, tu vois, bah, ça en pour parler, là. Parce que j'aime bien ce qu'il fait, ça fait un moment que je le suis, etc. Le mec, il a un bon niveau, il a un bon délire, il a des bons textes, il a de la punch, etc. Et niveau feeling aussi, parce que moi, je marche beaucoup à l'affectif aussi, tu vois. Je me vois pas aller voir un mec, même s'il rappe bien, et c'est ça l'un de mes défauts, parce que des fois ça passe par là, donc c'est pas des concessions. Je me vois pas aller vers un mec que je sens pas et lui demander de faire une collaboration. Tu vois, courir après quelqu'un, demander, je suis beaucoup dans l'affectif. Et lui, tu vois, ça match dans les deux cas. Et j'aime bien son, et c'est une crème, le mec c'est un bon gars, etc. Tu vois. Donc lui, tu vois, la collaboration, c'est du sûr. C'est la famille, c'est du sûr. Après... pour les autres MC, franchement, la vérité, c'est sans langue de bois. T'as des mecs, ils feraient les aveugles. Genre, j'ai vu, mais je dirais rien. Les mecs sont passés juste avant, là, les petits jeunes d'HR, là. De BLS. C'est lourd, wesh. C'est lourd. Franchement, c'est bien. Et là, je serais pas venu ce soir pour l'interview, là, j'aurais pas vu. À moins d'aller cliquer tous les sons sur les dojos, tu vois. Mais j'aurais pas connu. Et c'est des mecs. Pourtant, il est dans les dojos, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de sons. Ouais. Il y a beaucoup de sons. Et lui, j'aime bien. C'est un groupe, c'est quoi, solo ? C'est un solo, ouais. C'est un solo. C'est Yann, franchement, c'est Yann. Ok. Donc, du coup, il y aurait des projets à venir, alors, vu que tu parlais de Jizz. Ouais, bah, sans pour parler, après, on va pas griller les cartes, hein, on va pas griller les trucs. Non, en tout cas, il y a un projet à venir, alors. Là, il y a un projet à venir. Là, on est sur la fin de l'exploitation de la promotion de hors catégorie. Une catégorie, ouais. Et là, on est sur le début, on est sur le commencement du second projet. Et là, je suis en pleine écriture et pour le prochain projet. Ok, mais parle-nous de hors catégorie, on en a pas parlé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je dis, il manquait beaucoup de choses dessus. Il manquait comme? Autour. Ouais. Comme. Niveau marketing. Ah, après ça, il aurait fallu que je ramène mon directeur artistique ici. Il t'aurait mieux expliqué que moi, parce que moi, je suis bête et méchant, je suis un rappeur, je viens, je pose. C'est-à-dire, après tout ça, ça nous englobe. Mais après, tu vois, le travail a été fait. Pour moi, c'est un premier jet. C'est un premier projet. Ils ont fait leur travail sur cette partie-là. C'est pour ça que je leur ai fait confiance. Ils ont fait leur travail du mieux qu'ils ont pu avec leurs moyens. Et ils ont des moyens qui leur permettent de faire des choses bien. Là, on a sorti le premier projet. Et comme je dis, c'est un premier jet. C'est juste comment dire, une carte de visite. Pour une moi, carte, c'est une de, carte visite, de visite. Ouais. Mmh. Au moins, avec ce premier projet, tu vois, je suis vivant, musicalement parlant. Mmh. Parce que avant ce premier projet-là, j'étais pas en Fnac, j'étais pas distribué, j'étais pas placé, tu vois. Ils m'ont placé sur des sites, ils m'ont fait de la publicité, tu vois. Je suis sur des sites, je suis sur des blogs, etc. Ils ont fait leur taf, tu vois, à leur niveau. Et moi, à mon niveau, tu vois, comme je dis, je suis un rappeur, tu vois, je suis bête et méchant. Moi, je viens, je rappe. Après. Non, mais je vois ça, ce qu'il veut ils dire. Ils ont fait leur travail. Son premier projet, sa carte de visite, ça permet de donner de l'actu, en fait. Ça donne de l'actu. Donner de l'actu aux gens, dire voilà, j'ai un. Voilà. Et pour le deuxième projet, ils taperont plus fort. Tu vois, ils mettront plus de moyens, ils mettront plus de communication, ils feront comme ils savent le faire, tu vois. Après, tu vois, faut savoir que Kezit, c'est nouveau, tu vois, ça vient de se créer. Là, ils sont en train de monter petit à petit. T'as Enars, Moussa Wagué, qui monte des franchises, je sais pas, tu vois, c'est des franchises un peu partout. Il ouvre des boîtes partout en Afrique. Là, il est même sur l'Angleterre et sur les États-Unis. Ça commence à prendre, tu vois. Et là, ils sont encore en expansion, tu vois. Là, ils sont en train de grossir leur truc et... ça pourra que mieux aller dans l'avenir, on va dire. Parce que là c'est encore en train de prendre. Tu vois, et toi, tu penses ton prochain projet, tu vas le sortir pour quand? Bah, t'as une date de 2018, 2019? Bah, franchement, au plus vite, parce que je suis pressé d'envoyer un autre truc, pas laisser les gens sur leur faim. Ouais. Et qu'ils puissent un peu, tu vois, voir ce que je peux faire sur ma palette. En plus, j'ai pas de date bien précise. Là, je suis encore en plein travail, tu vois. Je suis en pleine écriture. Je rentre bientôt en studio. Et franchement, j'ai pas de date pour l'instant, mais vous serez assez tôt, vous serez même les premiers. Vous serez j'ai hâte de voir son prochain projet. Moi aussi. Nouveau, parce que tu, on va pas le dire, je vais pas le dire maintenant, mais tu m'as expliqué pourquoi hors catégorie, il avait cette couleur-là.
tu vois, une musicale. Mm-hmm. Tu vois, une fois, tu m'as expliqué. Ouais. Et là, j'ai envie de te voir sur ce que tu vas sortir là. Tu vois, on dirait un truc récent, tu vois. Un truc sur. En plus, il y a plein de tendances qui sont passées entre temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir ce que tu. Ce qu'il va proposer. Maintenant, tu vois. C'est ça, c'est ça. Bah, voilà, pour le serein, écoute en prochain. Grosse chance. Bien. Il y aura des invités ? Hormis Gis. Là, c'est pour parler, on y réfléchit. Après, c'est vrai que ce premier projet, j'ai sorti en solo, j'ai fait aucun featuring parce que pour moi, c'était une carte de visite. Je voulais arriver avec mon propre univers, qu'on sache de A à Z ce que je pouvais faire sur un projet. Parce qu'on me connaissait que sur des sons en équipe, en featuring. Et pour le prochain projet, là, j'ai pour ambition de faire des featuring. Après, je vais pas chercher la lune ou je sais pas quoi, tu vois, mais d'élargir un peu ma palette musicale en faisant des featuring avec des artistes. On essaiera de voir qui je peux inviter. J'ai des idées pour l'instant et on essaiera de voir si c'est possible ou pas. Vas-y, dis-nous une petite idée pour voir. C'est un peu trop tôt. Je vais faire taper sur les doigts. Ok, mais si, tu vas chercher. Si voilà, en même temps. Ça se fait pas, on va me dire qu'il a fait du bruit. Ah ouais. Il a dit, il a l'air des Migos, c'est un bruit. Non, mais. Non, mais comme non, tu dis. Il y a les Lucifer qui va arriver là. Il y a Travis Scott. Même si c'est pas écrit sur le projet, achetez-le, c'est sur un son caché. Il y a des gros noms, il y a des gros blagues. T'es un enfoiré. Non, mais avec qui t'aimerais bien faire un feat? Un featuring? Ouais, une grosse tête. Une grosse tête. Il y a trop de monde. Enfin, faudrait que je passe un. Allez, trois personnes, dis-nous juste trois personnes. Ouais, trois blagues. Connus? Ouais, connus. Franchement, je vais pas te mentir. Des mecs qui marchent. Un mec comme MHD, il est bankable. Et MHD, je connais pas la personne. Mais tu sais qu'avec lui, tu fais un featuring, le son va marcher, tu vois, je veux dire. Non, ça, on s'en fout qu'il marche ou pas. Avec qui, toi, tu kifferais faire ton truc, tout ça, qui marche ou pas, le son, en fait. Ah, mais moi, les mecs avec qui je ferais faire des sons, ils sont pas disponibles. Non, ouais, je sais, on s'en fout qu'ils soient dispo ou pas, c'est juste le kiff, juste pour un kiff, quoi. Mais moi, mon rappeur de prédilection depuis que je suis petit peu, c'est Lil Wayne. Non, en France. Non, mais en France, moi, franchement, la vérité, un rappeur avec qui je serais... McTayer. Ouais, sans faire de cinéma, McTayer. Lui, ça serait le mec que je kifferais avoir sur un son. Parce que le mec, tu vois, il représente une grosse partie du rap français. Il a laissé son empreinte, il est encore là, tu vois. Et le mec, il est hyper polyvalent. Parce que de tandem à maintenant, il a su faire des choses que peu de rappeurs ont fait. Surtout, tu vois, sortir des projets qui n'ont pas rencontré un succès fou dans les charts. Mais le mec est encore là, c'est respectable. Et même niveau rap, tu vois, quand tu regardes pour ceux qui savent, ou toujours pour ceux qui savent, ouais, tandem. Ouais. À maintenant, le mec, il a une évolution de ouf. Et il a toujours été un précurseur de la tendance. Regarde le général. Même à l'avant-garde, il était à l'avant-garde de beaucoup de trucs. Ouais, c'est un avant-gardiste. C'est un avant-gardiste. Peut-être qu'il allait trop vite, on dirait, pour. Il allait trop vite pour le. C'est ce qu'on disait aussi. Non, pour un mec comme. Un mec qu'à l'époque, je kiffais assez. C'était. Son nom il m'échappe. Olkari. Ouais, Olkari. Olkari, mais les Chinois existent. Ouais, mais non, je parle d'aller. Olkari, c'est Gis. Ouais, mais tu l'oublies. C'est le même personnage. Il y a du monde. Non. C'est pareil. Non, un mec comme Olkari, à l'époque, il était là. Ah, il était lourd. Il était là. Ouais, j'étais petit peu, je l'ai écouté. J'ai dit, ah ouais, le mec, il a un truc. Il était lourd. Ouf. Et McTayer, comme je te dis, tu vois, c'est un mec qui a traversé les époques. Même s'il a pas rencontré un succès fou, le mec, il a toujours continué à envoyer des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Il était le premier sur eux. Premier sur le Dirty South en France, en général. Ouais, en général. Il a été le premier un peu à se lancer sur la vibe électro. Ouais. Avec Attic. Clip cinématographique aussi. Enfin, je veux dire, quand on appelle le son Hahaha, Miami, etc. Là. C'était le premier qui mettait un peu des notes club sur ses sons. Tu vois, les gens étaient là en mode, ah, fait de la merde, etc. Moi, j'ai capté. Parce que je me suis dit, le mouvement dance, etc., là, house, etc., ça marche de ouf dans le milieu mainstream. Et lui, il fait sa place, tu vois. Non, mais il l'avait dit, ça. J'avais regardé l'interview, il a dit, c'est ce que vous voulez, bah tenez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il l'avait dit. Je sais pas s'il a fait parce qu'il a voulu faire un truc de nouveau ou s'il a fait parce qu'il s'est dit que c'est ce que les gens voulaient. Oui, moi, dans les interviews, si je me rappelle bien, c'est ce qu'il disait, en tout cas. Ah ouais. Ouais. Bah, ça a été un des précurseurs aussi. Ouais. Et quand tu regardes bien, c'est aussi, là, avec son dernier album, il a fait des bons sons aussi, tu vois. Et pour moi, il a traversé les époques. Il a traversé les époques. Il est encore là. Et c'est respectable. Parce que c'est beaucoup respectable de mecs de son âge à lui, qui à l'époque rappait. Aujourd'hui, tu les vois plus parce que peut-être qu'ils se reconnaissent plus dans ce qui se fait maintenant. Lui, il y arrive.
peut-être que les mecs, ils sont plus en phase avec. Ouais, je vois ce que tu dis avec l'époque. Lui, il arrive à innover. Lui, il est encore là. Ouais, et il innove tout le temps. Le mec, c'est même pas qu'il suit le mouvement et qu'il fait des sons. Non, que les c'est gens font, je vois ce que tu veux innove. Dire. Et que ouais. Ses sons, ils s'écoutent. Mm. Le mec, je sais pas quel âge il a, tu vois, mais ses sons, ils s'écoutent encore. C'est que le mec, il est bon. Et lui, c'est un mec. Je respecte son parcours. C'est intéressant. Mmh. Ouais, un parcours, mais je cracherai pas sur un featuring avec Lil Wayne quand même. il a pris sa retraite. Là. Non, c'est faux. Il est arrivé une salade en plus, il y a pas longtemps. C'est un problème, le mec est encore là. Je sais pas quoi. Il est en concert à Paris le mois dernier. Arrête. Ouais. Il est arrivé 2 heures en retard, mais c'est pas grave. C'est Lil Wayne. Moi, je suis pas trop Lil Wayne. Et qu'est-ce que tu penses du rap dans le 7-8? Dans le 7-8, bah, comme je disais, hein, j'en découvre tous les jours. Il y a du niveau, mais... Il y a du niveau, mais pourquoi il n'est pas exposé? C'est ça que je voulais dire. Il y a du niveau, mais il y a un problème. Je crois que le département, il est maudit, parce que depuis l'époque d'Express D, en passant par La Fune récemment, il n'y a pas grand monde vraiment qui a créé son truc. C'est dommage, parce qu'il y a là les bons rappeurs. Moi, j'en écoute toujours, tu vois, je découvre toujours des rappeurs, je me dis, mais il y a du level. Je te parle d'un mec comme Jizz. Moi, j'aime bien, tu vois, la création tout seul. Un mec comme Jizz, le mec, il a quand même réussi à passer sur Génération. Il passait souvent sur Génération. Et ça n'a pas pété. Après, bon, c'est pas la fin, tu vois, parce que on sait jamais, ça peut arriver. Mais il y a grave du talent. Et je comprends pas comment ça se fait que le 7-8 il soit pas représentatif, tu vois, ou représenté, tu vois, dans le milieu du hip-hop. Ça m'échappe. Je pourrais pas dire pourquoi, mais ça m'échappe. J'ai une petite idée, mais. Bah, dis-nous tout. On veut savoir. Vérité, sans langue de bois, ouais. Ce qui manque dans le 7-8, la vérité, hein, je vous le dis, les gars. C'est l'entraide. Ah bah c'est la question d'après. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'il y a de la solidarité? Dans le 7-8. Ah, dans le 7-8, voilà. Beaucoup dans la bouche, mais pas dans les faits. Après, je parle pour moi. Hein. Parce que moi, on m'appelle pas pour faire des featuring, on m'appelle pas pour faire des trucs. Mais je pense que c'est ça le problème. Et toi, est-ce que tu appelles quelqu'un pour faire un feat? Moi, je peux appeler quelqu'un si j'ai un truc. Non, tu peux, non. Tu peux, oui. Je peux appeler quelqu'un. Mais est-ce que tu le fais? Eh, tu sais, lui, il est marrant parce qu'il a la même mentalité que les autres. Non, bah oui. Moi, je vais parler franco. Je vais t'appeler si j'ai un truc à te proposer. Je vais pas t'appeler si j'ai rien à faire. Là, je travaille pour l'instant. Je suis en train de me construire pour l'instant. Je vais pas t'appeler pour brasser du vent, tu vois. Si je t'appelle vraiment, c'est que la seule chose sur laquelle je peux t'appeler, c'est sur un featuring. Pour mon projet. Je monte pas structure, je monte pas de festival, je fais rien de spécial, je fais que rapper pour l'instant, tu vois. La seule chose que je puisse faire, c'est t'inviter sur un son ou te proposer de faire une connexion, tu vois. Mais à mon humble niveau, je peux rien faire de plus. Mais pour les personnes qui sont là toujours à se plaindre, qui se passe rien, etc., qui veulent créer des choses, on est pas les plus désintéressés. Parce que comme je dis on, je parle au nom de Inno. Inno, c'est le seul rappeur du secteur que je connaisse qui a monté un projet. Inno n'est pas rappeur. Mais ça que je te dis en plus, c'est pas un rappeur, c'est l'une des rares personnes, c'est le seul de nos générations à nous qui a fait un CD et qui a essayé de réunir le maximum de MC du secteur. Il a appelé tout le monde dans le secteur presque. En tout cas, toutes les personnes les plus connues de leur secteur, il les a toutes appelées. C'est vrai. On pourra pas dire. Mais comment ça se fait, y a pas une continuité alors? De continuité parce que ça marche pas. Parce que les gens ils mangent pas le truc, ils veulent pas goûter le gâteau, tu vois, ils veulent pas l'acheter le gâteau, ils veulent pas goûter le truc. Donc ça, si vraiment vous voulez que les choses fonctionnent, faut donner de la force. Et la force c'est quoi? Inno, ce qui est respectable, c'est que c'est pas un mec qui va faire des jazz à gauche à droite. Le mec, il a sorti les ronds de sa poche. Cash Money, c'est la sueur de son front. Il est parti taffer, c'est cassé le dos au taf pour monter son projet. Il a fait le CD, il a invité les personnes. Et moi, j'étais là des fois à des séances. Les gens les mettaient à l'aise, ils l'amenaient à bouffer, etc. C'est lui qui payait. Hein. Les enregistrements studio, c'est lui qui les payait. C'est lui qui a payé les CD. Et on a même fait une campagne d'affichage sauvage. Moi, j'ai rappé dans le projet. Mais on s'est levé le soir à 23h, on se cachait, on allait coller des affiches. Coco, moi, Tush, ça, hein, on allait coller des affiches. Et le mec, il a donné sa personne. Il a dépensé des sous. Au final, l'investissement, il est un peu rentré dedans, mais ça n'a pas généré assez d'oseille pour te motiver à continuer, tu vois. Parce qu'il s'y dit... Et il manque que ça. La force pour continuer, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si tu fais un truc, tu veux un deuxième truc, faut que le mec, il mange un peu, ça donne un peu de force, tu vois. Parce que
Donc là, tu crois qu'il n'y a eu aucune force alors, c'est pour ça qu'il n'a pas continué. Il n'y a pas eu aucune force, il y a eu de la force. Voilà. Mais pas un niveau. Pas un niveau. Tu vois ce qu'il voit, c'est lourd. Il y a eu de la force, il y a eu de la force. En vrai, tu regardes bien, on est combien dans la ville? Même d'avoir vu le projet, tu vois. Si on est tous, on aura tous donné nos 10 balles. On parle pas seulement de la ville, hein. Ouais, mais même ici, tu fais 2000 ventes, normal. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde l'avait dans la voiture en double, je t'en prends deux en double, j'en donnais un. Regarde, les Mureaux, c'est une petite ville. On est combien? On est 35 000 habitants ou 40 000 habitants maximum. Dans les 40 000 habitants, je pense que t'es un bon petit 60% ou... Ouais, de notre génération. De notre génération. Des mecs 60% de la génération, de la population muriotine, c'est des personnes qui ont entre 12 et 30 balais. Entre 12 et 30 balais. Ça veut dire qu'entre 12 et 30 balais, t'as 12 ans, toi, je te vois pas mettre un billet de 10 balles, tu vas demander à tes remparts. Mais une fois que t'as les moyens et t'as les moyens que tu peux te permettre de soutenir quelqu'un, fais-le, ça donne de la force à un frère. Et le mec, c'est même pas comme si je voulais dire que le mec il va gratter un billet, il va se mettre bien, il va s'acheter une caisse. Non, le mec, il m'en a parlé. Hein. Il voulait partir sur un cash money 2. Il m'en a parlé jusqu'à récemment. On va dire récemment. Il y a moins d'un an, il voulait faire un cash money 2. Mais la chose qui le démotive un peu, c'est qu'il se dit, je vais faire un projet. Mais à quoi bon le faire et le sortir si derrière ça suit pas? Comme je t'ai dit, il y a encore des cartons. Même chez moi, j'ai des cartons qui dorment. Je crois que je dois avoir au moins 150 CD qui dorment chez moi. Et j'en ai proposé. Hein. J'en ai vendu quelques-uns, mais j'en ai proposé à des personnes. Voilà. Après, on va pas leur en vouloir aux gens. Chacun a sa vie de son côté. Chacun a ses obligations. On va pas cracher sur les gens, tu vois. Parce que de base, les gens nous ont hyper soutenus quand on a commencé à rapper, tu vois. À nos concerts, les gens nous suivaient aussi. Ah oui, à l'époque de 5-5, le soutien était présent. Aussi, tu vois. Oui. Je peux pas cracher sur ça parce que je suis hyper reconnaissant. Je suis hyper reconnaissant. Quand on fait un geste envers moi, je suis hyper reconnaissant, je crache sur personne, tu vois. Et les gens nous ont grave suivi à l'époque, ils nous ont suivi de ouf. On faisait des concerts en dehors de la ville, en dehors du secteur, ils venaient, tu vois. Après, ce qui m'embêtait un peu, c'est que... Voilà, quoi. C'est difficile, c'est pas facile. On en a des choses à dire, on va arrêter là. Hein, on va laisser ça. Bon, de toute façon, on arrive sur la fin de l'interview là. Hein. Ouais. On va te laisser placer tes réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite surtout. Mes réseaux sociaux, je suis sur Instagram, Nescro. Je suis sur Facebook, Nescro aussi, N-E-S-K-R-O. Tu peux me retrouver sur YouTube, il y a tous mes nouveaux clips. T'as juste à taper Nescro, tu trouves mes clips dessus, tous mes futures interviews avec Starting Block Radio. C'est d'enfoiré. Mais c'est la vérité, mon gars. Non, c'est les gens, tu leur fais de la pub, ils sont pas contents. Toutes mes actualités, page sur ma page, page sur YouTube, le plus important, allez cliquer sur mes clips. Faites monter un peu la sauce, si vous kiffez, partagez, parce qu'il y a vraiment du travail derrière. On y met du cœur. Et retrouvez-moi aussi bientôt en concert au mois de novembre, si possible, Inch'Allah, ce sera. Vous aurez les dates sur mon Facebook. Et vous pouvez me souhaiter quoi? Un prochain projet qui fonctionne. Souhaitez-moi ça. Et souhaitez-moi aussi que Starting Block fonctionne, comme ça moi je pourrais revenir ici. Pour faire ta promo. Voilà. On va faire en sorte que ça fonctionne. Non, lourd. Ouais. Bien. Genre bien. Okay. Merci à vous les gars. Hein. Merci à toi. Yeah, vous étiez sur Starting Block. Bonne soirée à tous. Numéro 1 sur les hip-hop de rue. Un escroc. Ah, un escroc.